Juste pour voir, on a combien de... Ok, il nous manque un emblème. Ah oui, puis elle est... Oula, qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable, ça. Attendez, ils ont rajouté... Il y a un petit coffre là-bas, il me le fout. Ah ouais, alors par contre, si eux me visent... Ah ouais, non, non. Quoi? Oh les salauds. Les salauds. Très bien. Très bien. Je l'aurai ce coffre, hein. Je m'en bats les couilles. Je l'aurai. Voilà. Je t'ai dit que je l'aurai. Y'a rien qui va. Hein. Y'a rien qui se passe comme prévu. Ouh. Ah bah voilà une bonne arme. Ça, ça fait mal. Bon. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde cette ambiance. Écoute cette ambiance, regarde. Regarde-moi ce soleil, là. Allez, ça crève. Le mec, il est ultra chill. Presque ému. Putain. Faut toujours que je fasse le con après un bon move. Hein. Faut toujours qu'il y ait un truc. Faut toujours qu'il y ait une couille après. Le ciel est top tier dans ce jeu. Mais oui, hein, moi, le jeu, encore une fois, techniquement, il est... Voilà, il y a mieux, mais... Au niveau de la DA et tout le reste, je trouve ultra sexy, moi. Il y a forcément un truc en haut. Il y a un Korogu, c'est sûr. Mais il pleut. Ah, je suis sûr qu'il y a un Korogu là-bas. Oui, oui, baguette. Non mais... Yahaha! Rien que de le faire, ça me triggerde. En plus, parfois, j'ai l'impression qu'ils disent merci, les Korogus. Ça me triggerde davantage. J'aurais peut-être dû prendre un cheval, hein. On a été con. On a été con. Bon. Bon, on va continuer à monter, hein. Qu'est-ce que je te dise? Quels sont les endroits qui nous intriguent? Peut-être ça. Hein. Ça, c'est intriguant. Ça aussi. Tiens, je crois que c'est là-bas d'ailleurs qu'il y a Nathaniel. L'épée longue de flamme. Si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries. Ah, c'est ça? Oh là là, les souvenirs du gars, quoi. Incroyable, intact. Bon, en même temps, quand on te parle de Nathaniel, forcément. Voilà. Il y a des souvenirs que tu n'oublies pas. Ton nom, la pelouse. Attendez, mais il n'y a rien dans cette forêt, là. Ah si, il y a un Korogu, effectivement. Les graphismes de ce jeu me font bander. Bizarre. Se calmer quand même. Il est où? Il est où? Je l'entends... Oh putain, il y a un gardien. Oh, il est là. Viens là. Oh là 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 là.
Ah, on se chie dessus, hein. On se chie dessus. Je vais aller dans l'autre forêt. Oh, je l'ai raté. Salut, Kouek. Voilà un pseudo facile à dire. Ah oui, non, mais attendez, les animaux sont plus résistants. Ouh là là. Comme les mobs, finalement. Bon. Bon à savoir. Salut Val. Bon, je suppose qu'il y a un autre Kurugu ici. Ah ouais, il y en a un là-bas. Ça va, on se rapproche des 900. Tout va bien. C'est quoi ce bruit? J'ai cru qu'il y avait un gardien. On commence à se chier dessus, hein. Alors... oui. Vous voyez un truc voler, vous? C'est quoi cette merde, là? Tu veux que je vise quoi? Ah, c'est toujours un sacré bordel, hein. T'as déjà réussi à chevaucher le cheval bizarre qui a 4 yeux, Seven. Alors, le cheval bizarre... Tu parles du truc qu'on trouve sur le mont Satori? Ou pas du tout? Ah, là, ok. Regardez comment je triche. Regardez. Ok. Oh là là, c'est trop dur de viser. Alors oui, je l'avais chevauché, j'avais été déçu parce que tu pouvais pas le garder. Voilà, et je sais plus à quoi il sert ce truc exactement. Je crois que tu dois le photographier. Je ne sais plus. Je ne saurais vous dire. Pour une quête. À moins que j'hésite de la merde, mais ouais, c'est pour une quête, ce qui me semblait, ouais. Le mont Satori, d'ailleurs, nommé en l'honneur de Satori Wata. Et je crois que c'est là-bas que tu peux retrouver, au pied du mont, justement, un personnage qui lui rend hommage, quoi. Casse la tête. Non mais attendez, il est où le... Voilà. J'arrive pas à le viser avec les arbres. Ah non, c'est pas du tout ce que j'ai visé. Ok, bien joué. Ok, bien joué. Ah, tu viens de pop juste devant moi, toi, t'as pas de chat. Oh non, y'a un gardien. Oh putain, y'a un gardien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh là là, mais il y a des gardiens. Oh là 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 là. Peut-être pas la meilleure solution. Putain, mais qu'est-ce qui m'a pris du mode expert, qu'il est con. Ruine de l'hôtel, très bien. Non, non, tu m'as pas vu. Y'a pas un coffre, y'a rien. Y'a que dalle. Tu m'as pas vu. C'est dans ta tête. Tout va bien, on se chie pas dessus. Non mais attendez, y'a rien ici. Y'a rien du tout. Super, une très bonne nouvelle. «
Star, je peux pas passer en dessous. Tout va bien, messieurs, dames, tout va bien. C'est dans votre tête. No panique. Quoi? Mais c'est pas possible. Oh oh. Ok. Là, c'est la panique. Ah mais non! Bon, si on se sort de celle-là, c'est incroyable. Le mec il joue avec eux. Putain, y'a pas de trésor ici, y'a rien du tout. Allez, c'est bon, on se casse. Tout ça pour rien. Nice. Vraiment GG, hein. GG. Chapeau l'artiste, y'a que dalle. Peut-être un truc... Ouais, de toute façon, faut que je contourne le château. Faut que j'aille par là-bas. Dans la forêt des pommes. Ne bougez plus. Ils sont attirés par le mouvement. Quelle bande d'enfants aussi, là. Putain, j'étais persuadé qu'il y avait un coffre dans mes souvenirs, ici. Oh, Là Putain. Ouais, dans mes souvenirs, il y avait un truc, hein. Au secours. Ah bah d'accord, en plus le coffre il attire la foudre. Mais y'a rien qui va, hein. Allez. Allez mon Link. Merci. On se casse. Je me disais bien, j'avais repéré un truc. Ah mais attendez d'ailleurs. Je crois que les autres pièces d'équipement sont dans le coin. Je crois que tout ce stuff en fait de fantôme à hors-glace est là, dans le centre d'Hyrule. Écoutez, je ne sais pas, c'est super. Oh là là, mais. Putain, il y en a partout. Si je me rapproche du château d'Hyrule, je suis con moi. Oh là 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 là, mais il y en a partout. Quelle est la probabilité qu'ils se prennent la foudre maintenant sans objet métallique? Ah. Attendez, mais c'est fumé. 8 de défense. Et en plus ça augmente l'attaque. Non bah attendez. Oh pardon, où? Ah bah là on va à la salle, hein. Ah oui. Ah oui, alors là par contre Oui oui baguette. Mais il y en a partout, mec. Faut que je me casse ici. Allez, adieu. Adieu. Ils s'en fout. La dégaine éclatée. Oh, on va se calmer, hein. On va se calmer. Tu penses jouer à un jeu en parallèle? Ah bah oui, je suis forcé, hein, pour continuer les tests en carton. Tu veux dire en live? Oui, je n'exclus pas l'idée de faire d'autres jeux entre-temps. Pourquoi, Pierre? T'aimes pas Breath of the Wild? C'est ça? Hérétique? Oh, la gueule qu'on a, mais c'est n'importe quoi, hein. Oh non, je vais te tuer. Oh, elle m'énerve avec ses fleurelles. Pourquoi je les affronte pas? Ah bah ça sert à rien là. Là, avec le stuff qu'on a et vu comment ils sont résistants. N'oubliez pas les gars, on est en mode expert.
Ah. Ah non mais là attendez, j'ai... Ah là je suis stock là. Ouais, il régène entre temps aussi en plus, ouais. Pour ça, ça vaut pas le coup en fait de gâcher toutes nos armes contre eux. Mais il en a pas marre l'orage là, sérieux? Un petit peu chiant lui. Putain, mais regardez, regardez mon look. Y'a rien qui va là. Bon, après, cette armure est assez stylée, hein. Pour le coup. 8 de défense plus de dégâts. Moi je prends. On prend. Ouais, là-bas. Effectivement. On dirait un gamin qui vient de voler un habit trop grand pour lui. Je te demande pardon. Respectez Link, s'il vous plaît. Respectez-le. Arrêtez. Alors. Pas un petit corrigu dans le coin, non? Rien du tout. Non, je vais me faire foutre, d'accord. Les épaulettes de Tchad. Ah, ça. Putain, y'a aucun insecte, sérieux? Il y a un temple là-bas au calme, tout seul. Ça nous permettra de monter un cœur, c'est déjà bien. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah, y'a des chevaux ici, d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette zone, là? L'armure est plus jolie sans le bouclier ni l'épée. Ah oui, parce qu'il y a le logo derrière, oui. Après, je t'avoue, ça va être compliqué. Hein. Non, mais l'armure est stylée en soi. Hein. Ça vient bien de Phantom Hourglass, on est d'accord. Si je dis pas de conneries. Ah, c'est Spirit Tracks. Et pourquoi alors je dis Phantom Hourglass? C'est marrant, ça me rappelle un truc dans Phantom Hourglass. Je sais pas. Oui, mais surtout quand elle est entière. Oui, je me doute qu'elle est plus jolie entière. Je m'en doute. Mais dans mes souvenirs, les trois pièces d'équipement de ce stuff sont... Sanctuaire de Kayamiwa. Bouclier d'eau. Son au centre d'Hyrule. Et ce stuff est très bien, clairement. Surtout en mode expert, on aura besoin de dégâts en plus, c'est très cool. Ah, tu n'as pas fait ce que je voulais. Merci beaucoup, monsieur. Ah, j'ai besoin de cœur, là. J'ai besoin de cœur. Non. 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 No. Ah. J'allais dire... Ah, c'est dans les deux. Mais c'est en référence à Zelda qui possède des armures. Donc Spirit Tracks. Ok, d'accord. Tiens, d'ailleurs, c'est ça qui est devenu son babé. Dans ce match Ultimate. Et même dans ce match Wii U, je crois. Ils ont séparé Shake et Zelda. C'est vraiment dommage d'ailleurs, ça me fait penser, hein. Je sais pas pourquoi j'y pense, j'ai lu un article dessus hier. C'est vraiment dommage qu'ils aient annulé le projet de Retro Studio là. Qui mettait en scène un héros Sheka. Oh non, non.
J'ai mal joué. Mon mauvais. Oh merde. Ah, j'ai peut-être de me tuer là, non? Bon. Action, réaction. Putain, la maîtrise du gameplay. Non mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Putain, c'est ouf. Putain, ce que je nous offre. Oh là, le torse. Non mais attends... Ah là, il triche Link hein, quand même, je suis désolé, il triche. Il a fait exprès de prendre une taille XXL pour... Voilà, il triche. Excusez-moi, hein, mais... Faut arrêter les conneries. Hein. Alors, est-ce qu'on a tous les coffres? C'est bon, parfait. Ah, je peux pas passer. Ah mais c'est qu'il joue bien le salaud. Oui, toujours pas de game over. D'ailleurs, j'y pensais pas, mais effectivement, quelqu'un me l'a dit dans le chat. J'ai vu dans la rediff. On a fini Wind Waker en mode héroïque sans game over. Pourtant, c'est pas passé loin parfois. Mais voilà, petite anecdote. Merci à tous. Activez la cloche. Est-ce que tu attends Breath of the Wild 2? Non. Non, 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 je m'en bats les couilles de ce jeu de merde. Là, je joue un, là, ici présent pour vous faire plaisir, hein, je me force. Mais je déteste Zelda, c'est de la grosse merde. Je pense qu'il faut être un vrai connard de toute façon pour aimer cette série. Je déteste ce jeu de merde, je le déteste. Regardez-moi ça. Il n'y a même pas de ray tracing. Allez, j'ai même pas envie de débattre là-dessus. La grosse merde. Non, mais il n'y a même pas de ray tracing. On peut même pas jouer à deux. Dans Call of, tu peux jouer à deux. Dans FIFA aussi. Je voulais dire, tu attends quoi du 2? Bah, moi, mon rêve... En fait, il y a deux défauts dans Zelda Breath of the Wild 1. Et pourtant, je le redis, c'est mon jeu préféré de la décennie. Ce qui manque pour moi, c'est les gros donjons thématiques. Et un bestiaire un peu plus varié. S'ils arrivent à régler ce souci dans le 2... Bah, let's go. Mais bon, moi je pense que ça sera un jeu masterclass. Ils l'ont repoussé à mon avis, ils le peaufinent au max. Du peu que j'ai vu, ça m'intrigue déjà de pouvoir explorer le ciel. Si ça apporte assez de nouveautés. Pareil, le bras droit de Link, là... Ou son bras gauche, je sais plus, qui est infecté et qui peut se transformer en arme. J'attends que ça apporte pas mal en termes de gameplay, on va voir. Mais j'aimerais bien... Tu vois, j'aimerais bien l'arrivée des Dark Notes, par exemple. Parce que souvent, dans les Zelda, c'est eux qui t'offrent les meilleurs combats. Donc j'aimerais bien qu'ils les mettent dans le prochain... dans Breath of the Wild 2. Et ce que j'attends aussi, c'est le titre officiel. Ça commence à me saouler de l'appeler Breath of the Wild 2. Et puis il n'y avait pas les Dark Notes non plus dans Skyward Sword. Hein. Ils commencent à me manquer les petits cons. Hein. Mais tu me répètes ce qu'a dit Impa en fait. Voilà, ça c'est mon chat qui me déconcentre. C'est sa faute. Il est classe ce perso. Hein. Je me rappelle, ça a été l'un des premiers dévoilés. Qui est-ce qui est classe? Non mais regardez mon torse, regardez-moi ça. Regardez le corps de Link par rapport à ses jambes. Ah, ça skip le leg day par ici, hein. Ah, mon look ressemble à rien. Je ressemble à rien du tout. Eh oui, on dépense encore de la thune. Euh...
sachant qu'il nous faut 1100 rubis, hein, pour rappel. Il va falloir qu'on farme les... les minerais. Après, un diamant, je crois que ça vaut 500. Ouais, parfait. Voilà, on peut s'acheter le... le set des Sheka, qui est assez classe d'ailleurs. J'aime beaucoup. Ah, je suis désolé, mais ça me fait trop rire. En plus, comment il se tient, Link, en mode... Tu sais, on dirait les mecs sur la plage qui passent devant les meufs, qui gonflent le torse au max. Ouais, ouais, c'est mon corps naturel, ouais. Ouais, c'est mon corps naturel. Ouais. Oh. Emmener un cheval. Petit tonnerre, évidemment. Ah non, il y a tué nul ou petit tonnerre. Ah, bah de toute façon, c'est les mêmes. On va prendre petit tonnerre. C'est vous qui l'avez nommé comme ça. Voilà, je... Très bien. Tué nul va se plaire ici, je te le garantis. Un instant, je te prie. Savon, t'as vu, j'ai trouvé une vidéo avec le son de Terry quand t'arrives dans la boutique. Ah oui, j'ai vu. Alors oui. C'est vrai qu'il y a une vidéo qui s'intitule... Alors, laissez-moi regarder, hein. Attendez. Alors, où est-ce qu'il l'a mis, Yoshipam? Ah oui. Alors, le nom de la vidéo... Ça dure 2 minutes. Le nom de la vidéo, c'est The Legend of Zelda Terry Ao Fit Savon. Entre parenthèses, non. Voilà, et des vidéos comme ça... Enfin, c'est le genre de vidéo que je préfère, j'aime beaucoup. Sinon, j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé un mec qui a fait... voilà, je vous l'envoie. Savon tombe pendant 1 heure. Voilà, enjoy, je vous l'envoie. Voilà. Enjoy. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser... Attendez, attendez. Ça me fait penser. Il y a un mec, sa vidéo, c'est littéralement... Voilà. Savon, tombe, bruitage. Ça dure 1 seconde, on entend mon bruit du tombe. 144 000 vues. 144 000 vues, bordel. Putain, pendant 2 ans, 3 ans, je me suis fait chier à faire des vidéos qui m'ont pris des heures. Je dépassais pas les 10 000 vues. Oh non, pas eux, pitié. J'en ai marre de fuir. Je dois affronter mon destin. Ah, j'ai raté lui. J'ai mal. Là par contre, monsieur Rabbit, j'aurais dû faire une esquive. Allez, ça dégage. Non, 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 non. Allez. Voilà, parfait. Ça dégage. Quel combat épique, hein. Allez, mes mères! Compliqué, hein? Ah, c'est chiant, hein, d'être dans l'eau, hein. C'est pas très pratique, hein. Combat d'infirme. Alors, je ne vous permets pas. Ah! Alors, c'est marrant, alors...
Les sorciers de feu sont faibles face à la glace, et inversement. Mais les électriques, je sais plus comment les buter en un coup. Je crois que tu ne peux pas. Hein. Je crois que tu ne peux pas. Je ne sais plus. Ça ne va pas être très utile en vrai. Hein. Oh, bien joué ça. Bien joué. Oh, ça va faire mal ça. Tiens, meurs. Oh, les dégâts. Ouh, t'aimes pas, hein. Là, t'aimes pas ça. Hein. Titi bag. Bah, il est pas gentil, hein. Il est pas gentil. Ouais, non, je passe mon tour. Ah, tu peux utiliser des flèches archéoniques, mais c'est pas où tu les utilises pour ça. Oui, les flèches archéoniques, c'est assez rare, je crois. Ça tue en un coup. Ça, on va clairement les garder. Bon. T'es en train de me dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de Korogu, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. Quelle tristesse, messieurs, dames. Allez, viens, petit tonnerre. Tu as été nommé selon mes viewers. Je sais, c'est pas ouf comme nom, mais bon. Ils ont pas trop d'inspi. Pas leur en vouloir. Moi, je trouve ça mignon. Oh là 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 là, là, il y a de la viande, là. Oh, il y a de la viande. Oh, il y a de la viande. Pour toi, c'est quoi le mob ou boss sur lequel t'as le plus galéré dans ce jeu ? Je me demande si c'est pas tout simplement le boss final. Ah, le boss de Vanaboris aussi, il est assez compliqué là, le boss des Gerudo. Bonjour à tous, messieurs, dames, comment allez-vous ? Comment ça va les gars? Tu m'as pas vu? Tu te fous de ma gueule? Ah! Non mais... Le premier Linel est dur quand tu connais pas les patterns. C'est vrai, effectivement, les Linel, t'as beau les farmer au bout de plusieurs heures de jeu. Le premier Linel, je me rappelle avoir pas mal galéré. Et c'était pas du tout le Linel du mont... comment ça s'appelle? Celui qui est chez les Auras. Moi, mon premier Linel, c'était un Linel qui avait... Alors, je me rappelle plus du nom. Je ne sais plus le nom de ce chemin. Mais c'était un chemin qui avait... devant la montagne de l'Anel, je crois. Je sais plus le nom, attendez. J'ai pas l'appareil photo encore? Non, j'ai pas l'appareil photo. Je vous montrerai quand on aura l'appareil photo, parce que je me rappelle, l'une des photos souvenirs montre l'endroit dont je parle. Je vous montrerai. C'était la montagne de... Je sais plus. Est-ce que c'est si important que ça? Allez, tombe! Allez! Oh merde. Je vous montrerai quand on aura l'appareil photo. D'ailleurs, je suis assez chiant avec l'appareil photo. Hein. Je prends en photo toutes les armes et tous les mobs. Je pense que c'est important. Ah. Alors, attendez. Putain, je me sens comme un chad. Avec cette armure, j'ai l'impression de jouer Fabio dans Dark Souls. Oh là 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 là, mais le mec il joue avec le feu. Il s'amuse. Il est content, il s'amuse.
Non mais je vous montrerai, c'est un chemin qui m'a marqué parce que je l'aime beaucoup. Pardon. Ah oui, faut les laisser au-dessus. Ne tombe pas, Jackson. Ne tombe pas, Jackson. Allez. Bien joué. Je vais vous montrer quand on aura l'appareil photo. Ce qui ne saurait tarder. Enfin, je pense. Oh là 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 là. Merci à L73 pour le Prime. Ouais, mais c'est important de prendre en photo au cas où si tu cherches une arme en particulier ou un animal. Comme ça, tu peux le chercher sur le détecteur Sheikah. C'est pas dégueu. Oh, ça va. En même temps, vu l'armure que tu te tapes, tu m'étonnes que tu sois fatigué. Salut Seven, comment que ça va? Ça va et toi Momo? Tu penses qu'on pourra un jour voir ta première tentative de test en carton sur Zelda dont tu parles dans le tech numéro 1? Ah, le test en carton 0, le fameux. Sûrement, ouais. Je l'ai toujours, hein. Je vous le montrerai, je pense. Mon tout premier vrai test en carton. Mais je l'avais posté à la base, hein. Il y a des gens qui l'ont vu. C'est juste que je l'ai refait parce qu'il était vraiment inaudible. Mais ouais, pourquoi pas. Je l'ai toujours, hein. Ça va, ça vous choquera, hein, je pense. Le changement vous choquera pas mal. Le timing du Yes Sir. Oh là là, la classe! Regardez-moi ça! Oh, la classe de l'épée! Incroyable, messieurs dames, incroyable! Tu vois, si tu veux cette épée, tu la prends en photo et tu la mets sur le détecteur Sheikah. Ça, c'est de la grosse épée, ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as, là? Oh, il bouge tout seul. Au secours. Libérez-le du malin. Libérez-le du malin. Bon, ça va, pas mal de temples, c'est cool. Yo Seven, yo les gens, je passe juste faire un coucou et je repars dans l'ombre. Bon live à tous, merci à toi, Ascarvis. Et au revoir du coup. Enchanté d'avoir fait ta connaissance, ce fut un plaisir. Tu nous manques déjà, Ascarvis. Reviens vite. Salut, ma Griffus. Heureusement que t'es là, personne ne parlait de Noit, nos GG. C'est quoi ce bruit? Ah. Oh, ils sont chiants, eux. Non, mais... Ça va, en vrai, on commence à faire des dégâts, là. Avec l'armure. Ça va nous être très utile, cette armure n'empêche. Ok. Bah First Rain, oui, depuis le début, non? Oui. Au plaisir de te revoir, Ascarvis. Ah, il restera dans nos cœurs, Ascarvis. Ce rouge est d'un mauvais goût. Alors, vous me parlez beaucoup des épreuves de l'épée en mode expert, mais moi, je pense à autre chose en mode expert. Je pense à... Comment ça s'appelle? L'île Finalis? L'île déserte où on recommence du début. Moi, je pense à ça, en fait, en mode expert. C'est... Enfin, on recommence du début. On recommence sans équipement, quoi. L'argent! Salaud! Bonjour, il s'est passé quoi en mode absence? On a eu un raid de PewDiePie. Rien de ouf, t'inquiète.
Et le boss final, c'est pour quand? Demain. En même temps que le tech de Dora 3. Est-ce qu'on peut renforcer... Ah non, on peut pas renforcer ça, du coup, ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ouais, oui, je sais qu'on repart sans équipement aussi dans les épreuves de l'épée, juste... J'y pensais aussi à l'île Finalis. Ça m'inquiète déjà. Mais l'île est aussi dispo en normal. En mode expert, non, je crois pas. En mode expert, tout ce qui est là-bas est plus fort. Ou alors, j'ai pas compris ce que tu voulais me dire. Ah ouais, run sans glitch, hein. Ah ouais, moi je veux pas de prise de tête, pas de wind bomb, tout ça avec couilles sur ton front. Non, non. Run chill normal. Déjà, le but de la run, c'est de finir le jeu en mode expert. Je pense que c'est déjà pas mal. Allez! Mon bouclier va avoir mal. Je voulais dire, l'île est dispo en normal, mais en expert, c'est plus dur du coup. Oui, tout à fait. Ah, mais c'est ça, mon armure favorite. Pour moi, c'est l'armure canon. Enfin, l'armure canon. Du coup, non, l'armure canon, c'est le t-shirt bleu clair, là, mais... Je la trouve tellement classe, cette armure. Avec la petite capuche. Merci Nealitic pour le sub. Merci beaucoup. Il sort quand le prochain Majestic? Demain. Ah, ça fait plaisir de voir des gens qui veulent voir des Vikes, des Majestic. Mais demain, promis. Il le fait, là. Ouais. En fait, je joue à Breath of the Wild, mais en même temps, je suis en train de bosser sur la Majestic. Vous entendez pas? Alors, le petit montage, là. Là, on va mettre une transition zoom. Voilà, tac, hop. Ah, on va mettre un petit masquasse, là, 1 minute 2. Comme ça, les gens, ils vont davantage mettre un like. Quand il y a un masquasse, ça carie. Hop. Voilà. On va mettre une petite image subliminale. Avec des seins, ah, c'est parfait. Tac. Ok. Voilà, la gestique est en cours. Actor Studio sur 20. Merci à tous. Cliquez! Cliquez! Ah, tu sais comment on nous a guichés. Eh oui! Un masque toutes les 5 minutes! À moi les likes! Ah, c'est vrai que le Maskas Morsai, je pense, c'est parmi les mêmes que j'ai créé. Ça doit être le préféré des gens, je pense. En plus, c'est vraiment mais sorti de ma tête, mais un vieux délire, quoi. Je faisais le test en carton de Yoshi's Island et je me suis dit, vas-y, ils ont une... Je trouve que leur tête va bien avec les insultes de Morsai. Le délire vient de là, c'est tout. C'est juste une imagination un peu débile. Ah, le testicule transition, je l'avais oublié celui-là. Alors. Moi, je jouais tout le temps avec l'équipement élien. Tout le temps, je m'en rappelle. En vert. Voilà, je faisais mon caprice de fan. Je voulais Link en vert. Le problème, c'est que cette armure est pas worse parce qu'elle te donne aucun bonus. C'est dommage. À Dibou, on a des grosses, ouais.
Il a des couilles. Vous avez vu des leaks? Vous avez vu les leaks comme quoi Twilight Princess et Wind Waker pourraient sortir en fin d'année sur Switch? Des leaks? Ouais, j'ai vu les rumeurs. Bah, de toute façon, c'est une évidence pour moi, ça va arriver. Hein. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Connaissant Nintendo, c'est de l'argent facile, hein. Les gens le réclament. Ça ne saurait tarder, j'espère pour vous encore une fois. Moi, je m'en fous, j'ai la Wii U. C'est moi ou cette protagoniste est à deux doigts de dire « Ah là, ah là ». T'as déjà joué à Final Fantasy, mon Savinou tout doux? Non. Non, Momochou. Jamais. Enfin, j'avais quasiment fini le 6, mais je me suis arrêté. Je l'avais fait sur émulateur et l'émulateur a bugué. Mais oui, les portages du coup de Wind Waker HD et TPHD, à mon avis, sur Switch, ça ne saurait tarder. Et du coup, après-demain, même heure, hein, 16h, on fera la première créature divine. Ce qui m'arrangerait, c'est de faire celle-là. Celle de Revali. Parce que j'aime beaucoup son pouvoir. Ah, mais il y en a un autre là-bas. Oh là là. Allô, allô, allô. Je vais me faire couper par un Zora. Ah non, je pensais qu'elle... elle me chopait de loin. Ah bah si, voilà. Salut, small boy. Ouais, c'est vrai que le jeu t'emmène vraiment... veut absolument que tu fasses Varuta en premier, quoi. Et c'est vrai que le pouvoir est assez cool pour les débutants. C'est une sorte de fée boostée aux stéroïdes, quoi. Le pouvoir de Mipha. Pas de Korogu? Oh non, pas lui. Un espadon rouillé, je m'en bats les couilles. Ah, mais il est plus loin que ce que je pensais en fait, le temple. Oh, la maîtrise! Il l'a vu, hein, il l'a vu. Salut, je suis nouveau, tes vidéos sont trop drôles, je les regarde H24. Merci à toi, Deobo. Alors attendez, je vais lire en entier. Deobdo Kobi, deuxième du nom. Parce qu'il y en a un premier. Un sacré bordel, hein. Pas très intelligent, ça, monsieur. Oh damn! Cours, petit tonnerre, cours! Ah, il y a un inox, très bien, manquait plus que ça. J'aime très bien. Est-ce qu'on se le fait? On peut tester. On va lui casser sa gueule. Petit tonnerre, tu ne bouges pas.
Tu ne bouges pas, petit tonnerre. Je m'en occupe. Oh putain, il va prendre un arbre, il est pas content. Look at all this damage, bro. Oh, il se cache, il est trop mignon. Oh non, non, j'ai... Eh non. Non, monsieur l'arbitre, j'ai touché. Hein. Faut arrêter. Hein. Ah, je prends pas de risque. Encore. Ah. Alors attention, hein. Pas se faire niquer. Mais c'est pas ouf, c'est ça l'arme qui m'a laissé. Je suis un petit peu déçu là, monsieur l'arbitre. Elle est où la tour? Ah, ok, c'est quand même dur de pas avoir une tour pareille. Ah, évidemment. Fallait que le tonnerre vienne me faire chier. Ok. C'est peut-être pas le meilleur moment pour aller grimper à une tour, mais bon. Ah, merde. Merci Alexandre The Flux pour le sub. J'ai littéralement la bête d'Elden sous les yeux. J'aime bien Higashi depuis tout à l'heure qui nous fait suivre son aventure sur Elden Ring. Meurs! Meurs Higashi. Ah! C'est pas passé loin là. Allez. Ah les cons! Ah mais... Oh il m'a enculé! Oh ça y est, les moblins silver déjà là! Putain, ils m'ont vraiment mis un... J'ai mal. Il me voit même plus. Il m'a envoyé tellement loin qu'il me voit même plus. Allez, vite. Ok, parfait. Ah oui d'accord, mais il y a des ennemis argentés là, ça y est, ok, très bien. Ah ah d'accord, c'est un sacré bordel ici. Hein. Y'a rien qui va. Je peux avoir un peu d'aide monsieur l'arbitre? C'est un bordel. Salut lui. Wouah. Allez. Voilà, merci. Ah, ça c'est pas cool. Laisse-moi tranquille. Si je ferme les sanctuaires, le Korogu. Ouais, les sanctuaires surtout.
Mais en passant, pourquoi pas les Korugus? C'est pour ça que je vais aller chercher le masque après. Attendez, je vais où là? Il fallait qu'il pleuve. Hein. Il fallait qu'il pleuve. Aidez-moi, monsieur, dame. Ok. C'est pas une bonne idée. Hein. Ils ont mis des ennemis silver. Hein. Putain, il y a des ennemis argentés déjà dès le début. Nice. J'adore ce mode. J'aime beaucoup. Ah mais c'est des gemdox, bon, on s'en fout. Tu veux te battre? Ah, il est où? Sortez-nous du malin. Il s'est passé quoi là? Oh les dégâts! Il a disparu le mec. Mais il y en a partout. Ah et puis il y a lui aussi là. Ah d'accord. Essayez donc de m'avoir maintenant, messieurs dames. Bande de cons. Il est taquin. Il pleut tout le temps dans ce jeu. Tour de l'anel. On va respirer un peu. Et respirons un petit coup. Les bocoblins, émeute, vas-y, émeute. Ah, c'est un peu ça, là. Il y a un peu de monde. On va pas se le cacher. Oh. Respirons un coup. Savon prend même pas la baguette de glace, mais quel tchad. Ouais, rien à foutre. Rien à foutre. Allez, la gougoute. La gougoute. T'as bien des auras partout ici. Merci Willy pour le Prime. Putain, j'ai même pas pu voir si on s'approchait de la forêt, je pense pas. Hein.
Ah putain, il y a aussi un... Un temple juste ici, très bien. En vrai, on va finir par faire Varuta là tout de suite. Je crois qu'on va le faire sur ce live, hein. Bon, d'abord les Korogus, d'abord les Korogus. Je pense que Varuta, ça sera pour le prochain live. Varuto, putain, pardon. Non, Varuta. Putain, il y en a un là-bas. Il y en a partout. Il y en a partout, putain, c'est comme les morpions. Tu penses que les auras sont racistes des Gerudo? Alors, no fake. T'es le foutre de ma gueule, mais... dans Ocarina of Time, enfin à l'époque, quand j'étais gamin, je pensais que les Gerudo et les auras ne s'aimaient pas. Tu sais, enfin, s'aimaient pas, je pensais qu'ils se toléraient, tu vois, je pensais qu'ils s'aimaient pas trop. Je dirais pas qu'ils étaient ennemis, mais je pensais qu'ils ne s'aimaient pas. Alors qu'en vrai, je crois que, bah non, y a aucun souci. Naruto, Boruto, Varuto. C'est à peu près ça, ouais. Eh, Galoneko, franchement, j'ai du mal à te comprendre, mec, vraiment. Je fais un effort, hein. Mais, c'est compliqué. Oh non, putain, pas ça. Donne-moi ta puissance, Galoneko. Oh non. Oh non, pas ça. Oh shit. Wow. Un coup dans le fiac. Ah, ça fait mal, hein. Qu'est-ce que tu dis de ça, enfoiré? Allez, ça dégage. Putain, le mec, il alterne entre les différentes armes et tout, mais putain, mais... Un tel niveau comme ça, mais... Mais bordel de merde, on a jamais vu ça, c'est fou. Non, mais regardez son torse. Il a des seins, là. Faut arrêter d'exagérer, Link. Arrête de bomber. Respire, mon ref. Qu'est-ce qu'on va acheter? Ça, hein. Ah non, c'est de la merde. Ouais, mais celui-là... Il a moins de durabilité du coup. Non mais regardez-moi ce stuff de Chad là, regardez-moi ça. Quel pro gamer! L'arc de cheveux. Ah oui, 26 de dégâts! Ah bah je prends. Je prends. Il a les poumons bien remplis, c'est tout. Oui, ça se trouve, c'est ça. Hein. Ça se trouve, il a la même morphologie qu'Elon Musk. Hein. On sait pas. Ok, on en a deux. On a repéré déjà deux autres temples. On va pouvoir monter d'un cœur encore. Faut que je regarde la carte, en fait. Parce que j'ai pas regardé plus que ça, ce que m'avait dévoilé... Ah bah Sidon est là-bas. Ah, il est juste là et on va pas aller le voir. Ah, c'est triste, les gars. Je sais, c'est triste. Alors ça va servir à rien lui de le faire tomber dans l'eau. Sashibulidana. Oh merde, j'ai foutu le bordel. Excusez-moi messieurs dames, hein, j'ai foutu le bordel. Une flèche explosive. Pas 5 hein, une. Merci beaucoup. Tac. Ah super.
un lézalfos rouge juste au-dessus. On apprécie. Putain, j'ai trop d'armes. Ah bah, je vais le tuer. J'ai trop d'armes, messieurs, dames. Je ne sais où donner de la tête. Il faut que je trouve Noya. Il me faut Noya. Ok, je vais retourner en haut. Un précieux trésor. Mais en vrai, les trésors qu'il y a sur les plateformes volantes, comme le disait quelqu'un avant-hier, c'est tout le temps des armes cheatées. En gros, c'est les armes faites pour le mode expert, on dirait. C'est vraiment pour t'aider dans ta quête. Ah, alors il y en a un tout là-bas. Il y en a un là-bas aussi. Ah non, attendez. On ne sait où donner de la tête, messieurs dames. Mais elle est où cette putain de forêt? Elle est là-bas. Elle est là-bas ou elle est là-bas? Je ne sais plus. Tiens, bah d'ailleurs, Noya, je crois que sa deuxième apparition, c'est dans un autre relais. Je me demande si c'est pas là-bas, tiens. Je vais voir. Salut, Cloud. On va voir. Dans mes souvenirs, Noya est dans un relais. Après, il passe dans un autre relais et après, il va dans la forêt. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, si tu vas dans la forêt dès le début, avant de le rencontrer avant, est-ce qu'il est déjà dans la forêt? Ou est-ce que tu dois vraiment passer par ses premières apparitions avant de le retrouver dans la forêt? Oui, donc il est ici. J'avais raison. Je t'aime pas. Ferme ta gueule. Ta mère. Suce ma queue. Non mais imaginez le héros légendaire qui parle comme ça. Quelle vulgarité. On a frôlé la... Mais il va la fermer sa gueule. Noya ou Fei, le choix est cornélien. Je dirais quand même... Ouais, j'allais dire je dirais quand même Noya, mais non, en fait. Je sais pas. Bah moi, lui, il me casse pas les couilles pendant que je joue. Donc je vais dire Noya. D'accord, je t'agrandis ça. Non, puis le mec, il m'appelle Petite Noisette. On va se calmer quand même. Ma série de jeux préférée, Zelda. Tout simplement. Zelda x 100, Zelda x 1000. Zelda. Depuis toujours. Enfin non, pas depuis toujours. Au tout début, c'était Megaman. Après, j'ai découvert Pokémon. Ça allait rester pendant un temps. Et puis, j'ai découvert Wind Waker. Et puis, c'est devenu ma série préférée peu à peu. Talonné de près par... par Metroid. Et Mario. Et FIFA, évidemment. Et Dora. Ah mais tu peux encore, mais let's go. Mais ça va, n'est pas une petite noisette, c'est un bon gros gland bien long. Bizarre. Allez, c'est ça, tire-toi. Pépé doit sûrement m'attendre. C'est un chêne.
Mais sinon, on y va à pied, hein. On se fait pas chier. Salut les frères, ça va? Tranquille. Je vous emprunte votre marmite juste vite fait. Alors attendez, j'ai un doute. Est-ce qu'il suffit de faire cuire une truffe pour que ça fasse un truc de malade? Oui, effectivement. Parce qu'avant, je me rappelle, au tout début, je me faisais chier à les cuire avec d'autres choses, mais... C'est juste pour augmenter l'effet. Ça va me faire du bien, ça. Mais du coup, ôtez-moi d'un doute. Ceux qui ont fait le jeu... Du coup, ça, là, l'effet de l'armure de spectre se cumule avec les plats qui te donnent davantage d'attaque? Ça veut dire que t'as vraiment moyen de taper fort, si c'est le cas. Là, il faut éclairer ma lanterne. Je crois, oui. Oui, il me semble, très bien. Eh ben, je vous crois, c'est parti. Normalement, j'ai des trucs de lame. Merde, il est où mon champi-lame? Ah, j'en ai pas. Oh, shit. Il m'a rajouté un papillon, le con. Oh, merde. Fais chier, j'ai gâché mes poissons. Putain, il m'a rajouté un papillon, ce con. Il est con. Qu'il est con. Merci Bambinote pour le Prime. Super, on pourrait être discret. Je fais n'importe quoi. Oh, 3 d'armure, ça c'est très bien ça. Gros Radimax. Oh. Stylé. Les arts tempo. Ouais, ça c'est pour la vitesse. Ok, grenouille vigueur. Ça c'est pour l'endurance, effectivement. Passionnant. Ah, c'est pas ouf. Ah, c'est pas ouf. Et si je cuisine ensemble? Ouais, c'est pas mal. Ça peut donner des trucs assez cool. Ça, ça peut être pratique si on est en train de grimper et qu'on a plus d'endu. Excusez-moi, je me fais mes petits plats. Oula, j'ai peut-être un peu abusé là. Je pense que 2 suffiront. Ah oui, non mais attendez, non mais c'est trop. On se calme. Tiens, un petit coup de folie, je vais mettre du sel. Ouais, appelle-moi Chef, baisse ma gueule. Si je mets ça, ça va juste nous faire récupérer notre vie normale. Oh non mais on va attendez là. On a tellement pas assez de cœur, c'est pas worse. De faire des plats qui rajoutent autant de cœur. Ah voilà, ça c'est bien. Yo tout le monde, c'est Savon Cuisine, exactement. Bienvenue sur ce nouveau live, sur cette nouvelle émission. J'arrête les tests en carton. Désormais, je vais faire que des lives pour vous montrer des bons petits plats sur Breath of the Wild. C'est fini, les techs, c'est fini. Voilà, je voulais pas vous le dire, mais c'est fini. Ça casse les couilles. J'en ai ma claque, j'en ai ma queue là. Bon, allez, c'était marrant, je me casse. Oh la vie, oh là là, Captain Falcon, la vitesse! I'm fast as fuck, baby! Cool, je viens de venir voir les lives. Bienvenue, le pifeuille.
On va emmener Petit Tonnerre. Terry. Oh. Alors, dans mes souvenirs, c'est ces livres-là qui t'indiquent où sont tel item lié au DLC. Bon, pas tout le temps, mais... D'accord. Faisons comme ça.